Question bébé. L'Open du 10-12 à Boulogne-Billancourt s'achève ce dimanche sur les finales garçons et filles 12 ans du circuit Tennis Europe où deux Français sont toujours présents. Chez les filles, la Française Emma Zinc devra se défaire de la très efficace joueuse roumaine Alexia Lavinia Pouillac. Et chez les garçons, c'est le Français Clément Kubiak qui sera opposé au talentueux Allemand Maj Dandic. Merci d'applaudir Alexia Lavinia Pouillac, l'Orléans. Merci d'applaudir Emma Zinc, France. Bonjour, Philippe de l'Allemagne. Merci d'applaudir Marc-Saint-Gic, Germany. Merci d'applaudir Clément Pouillac, de France. Chez les filles, on retrouve donc la Roumaine Alexia Pouillac, qui a failli craquer en demi-finale quand elle fut menée par Jenny Lim dans la troisième manche. Emma Zinc est prévenue, c'est une joueuse sûre et déterminée. D'entrée, la Roumaine choisit de retourner, un point fort de son jeu. Et Emma Zinc est un peu chahutée. Mais sa première balle est percutante. Elle conserve ainsi sa mise en jeu. Sur sa lancée, elle break Alexia Pouillac. Mais elle ne transforme pas sa balle de 3-0 et se fait débreaker trop rapidement. Trois quarts d'heure plus tard, la Française est à 5 partout. Avec une balle de 40-0 qu'elle loupe sous la pression. En bonne finisseuse, Alexia Pouillac réalise un échange bien maîtrisé, souvent répété, percussion en zone en retour, relance profonde en difficulté. Et si l'adversaire joue la sécurité une fois de trop, collant sa ligne, elle reprend le dessus par sa spéciale, une attaque à plat, tôt bien décentrée. Créant le doute, elle fait déjouer et c'est souvent gagné. Avec quelques points forts, une intention de jeu adaptée à l'adversaire, la Roumaine se sort de toutes les situations difficiles pour remporter la première manche au finish. Mademoiselle Pouillac, 7-5. Dans la deuxième manche, Alexia Lavinia Pouillac confirme définitivement l'ascendant sur la joueuse française au jeu plus stéréotypé. Aujourd'hui, et malgré son engagement, Emma Zinc ne reviendra plus. C'est donc une Roumaine qui s'impose en 12 ans pour le 28e Open des 10-12 du TCBB. La finale garçon a tenu toutes ses promesses et Clément Kubiak et Marc Maj Dandic ont offert un spectacle fort en rebondissement. Dès le début, le match est lancé et c'est Clément Kubiak qui mène au score sans réussir à se détacher. Aux variations liftées, hautes du jeune français, l'Allemand réplique par des prises de balles tôt. Et jusqu'à 5-4, Clément reste en tête. C'est finalement dans un tie-break épique que le français Clément s'offre la première manche après 7 balles de 7 et 1 heure de jeu. Allez, encore un. Je suis dans les cordes, je suis semblant d'être saoul. Allez, allez. Accusant le coup physiquement, Clément Kubiak doit céder rapidement la deuxième manche. C'est bon,
Dans la troisième manche, continuant son travail de sape, en fond de cours, le Français fatigue son adversaire qui, à son tour, marque le pas pour être mené 5 à 2. Mais Marc Majdanzic ne recule pas. Cherchant à bousculer le joueur français pour terminer par des volées à mi-cours définitives de plus en plus fréquentes. À 6-5, la messe est dite. Clément a laissé passer sa chance et Marc, un joueur allemand plein de ressources, dont on reparlera peut-être, gagne le dernier point de la rencontre sous les applaudissements d'un public comblé par le spectacle. À l'année prochaine.